c'est une nouvelle souche du coronavirus apparue dans un territoire précis, donc en Afrique du Sud. Et ce qui a interpellé la communauté scientifique, c'est qu'en 3 semaines, il se soit imposé à 100% dans cette région, alors que le variant Delta était présent. C'est le premier variant qui inquiète autant depuis l'apparition et l'imposition du variant Delta sur la planète. Donc en 3 semaines, il représente dans la région d'origine 100% des isolats viraux. Donc une progression très rapide et il s'impose. Donc ce caractère-là épidémique semble indiquer une transmissibilité plus élevée, il semble avoir des propriétés de meilleure adaptation à pouvoir interagir avec les cellules humaines et pouvoir y rentrer. Virulent, ne sait vraiment pas. Ça, il faut toujours un peu de temps, il faut qu'il ait circulé et qu'on ait associé le tableau clinique à la circulation du virus, le taux d'hospitalisation et le taux de mortalité associé à la circulation pour pouvoir étayer ce critère-là. Donc, il viendra, probablement cette réponse-là viendra en dernier. Est-il plus virulent ou moins virulent? Bon, la question est posée, elle est ouverte aujourd'hui. L'Agence Kimia Shipping Canada. L'Agence Kimia Shipping Canada, c'est la solution. C'est l'agence qu'il vous faut. C'est l'agence qui répond à tous vos soucis. Vente de pièces de rechange d'origine américaine par commande. Contactez l'Agence Kimia Shipping Canada. Rapidité, sécurité, fiabilité, c'est l'agence Kimia Shipping Canada. Fret aérien et maritime en toute sécurité. Pour l'envoi de vos colis et marchandises, Congo Canada, Canada Congo, par avion ou par bateau, contactez l'agence Kimia Shipping Canada